Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour un petit décodeur. Donc, je fais un décodeur à peu près tous les 3 mois, suivant ce que j'achète, hein, parce que si j'achète rien de plus, c'est assez rare que j'enlève des choses. Mais voilà, comme j'ai beaucoup acheté ces derniers temps et que là, il y a les swaps qui arrivent, je vais faire un peu de place parce que j'aime pas avoir trop. Alors j'ai énormément, on est d'accord, mais comparé à certaines, j'ai très peu. Mais voilà, j'ai pas envie que ça traîne trop. Le plus dur, c'est les palettes, je vous l'avoue. Mais il faut que je débarrasse un peu parce que j'ai beaucoup trop de choses et plein de choses qui dorment dans mes tiroirs. Et tout ça. Et j'aime pas ça. Donc bien sûr, vous aurez les produits en vente sur mon Vinted. Donc vous avez le lien en barre d'infos et je mettrai ça après la sortie de la vidéo, mais ça risque de prendre du temps avec moi. Hein. On n'est jamais à l'abri de rien. Mais voilà, vous avez mon lien. Il suffit de suivre, comme ça vous aurez des notifications quand je mettrai les produits en vente. Je vais vous filmer la partie déclutter avec mon téléphone. Ça sera beaucoup plus facile pour moi que de jongler avec le téléphone et l'appareil, hein, puisque j'enregistre le son avec le téléphone. Et voilà, donc écoutez, on attaque tout de suite, comme ça, ça fait une vidéo assez courte. Alors, pour commencer, on a ce que j'utilise en ce moment. Non, pas ça, ça c'est un produit fini. Et ça, c'est des pinceaux à laver. Voilà. Donc, on a ce que j'utilise en ce moment de ma rotation. Donc, je la mets en barre d'infos, ma rotation. Hein. Je vais juste enlever le petit blush Tarte, là, parce que je l'apprécie pas plus que ça. Après, c'est un mini, je l'ai déjà utilisé, je peux pas le vendre dans cet état-là, donc je vais le donner pour Laura. Et pareil avec les deux petits liners comme ça. Oh, je vous fais bouger. Que j'avais eu dans le calendrier de l'avant H&M. En argenté, j'ai le Kiko. Et en rose, j'ai le Focalure que j'utilise. Donc voilà. Je vais donner à Laura. Mes palettes que j'utilise en ce moment. Donc les 3 Flawless et la Marie que j'ai encore utilisée aujourd'hui. J'aime beaucoup cette petite palette. Alors, est-ce qu'on passe tout de suite aux palettes? J'en ai pas énormément à enlever, hein. Je vais vous montrer, mais... Alors, vous n'allez pas tout voir, mais voilà, ça vous fait une idée. Alors, là, j'ai enlevé les deux, là. Donc, qui est la Maybelline, comme ça, parce que c'est du nude. Moi, j'utilise pas, je l'ai utilisé qu'une fois. J'avais eu dans le swap avec Manon. Et pareil pour... Décidément, je vous fais bouger. La slip comme ça, donc là, c'est Amy qui me l'avait donné, mais voilà, il y a moins de vert que de nude, donc je l'utilise pas non plus. Alors, je vais enfin me décider à enlever la Naked 2 et la Lorac Pro. La Lorac, elle est beaucoup trop utilisée, je peux pas la vendre. Vous voyez, il y a des trous dedans et tout, donc pareil, je vais donner à Laura ou à mes nièces, je sais pas encore. Et la Naked 2, par contre, ça va. Elle est encore en état correct. Je peux la mettre en vente. Donc ça, ça ira en vente. Ça, c'est déjà des petites choses que j'avais triées. Des ventes que je dois remettre parce que j'avais mis en lot et qu'on m'a acheté qu'une partie des produits pour les ongles et tout ça. Donc ça, vous les retrouvez aussi sur Vinted. Voilà, en palette, c'est tout. Le reste, je garde. Alors pareil pour les deux petites palettes bis là, c'est que des pailletés, moi je les utilise absolument pas. Donc c'est aussi, ça vient du swap vite placard avec Manon, je suis désolée ma belle, mais c'est un peu bête de garder des choses que j'utilise pas. Donc là on a ma palette que j'utilise pour faire les liners pailletés, mes palettes de fard à l'eau, ça je garde. Les crayons, j'avais fait un truc il n'y a pas longtemps aussi, je vais enlever les jumbo Sephora, le mauve, le blanc que j'utilise pas. Le taupe et le kaki, je garde, je les adore. Le doré, je vais enlever aussi, mais c'est pareil, hein, je vais pas les mettre en vente. Le noir aussi. Les deux sticks Corès, là, donc ça, je mettrai pas en vente. Les Sephora, ils sont trop vieux. Les Corès, je vais les mettre. Bon, il manque juste ici, c'est un rose gold, il manque juste le petit capuchon. Mais voilà, je vais regarder si je peux les mettre en vente ou pas. Donc les crayons, c'est bon. Les liners pailletés, on ne touche pas. Les fards là, on ne touche pas. Ici, par contre, je vais enlever le... J'utilise pas du tout, en fait. Hein. Là, c'est de chez Ciaté. C'est un fard pailleté. Celui-ci, je l'aime bien. Donc, je garde. Celui-ci, je l'aime bien aussi.
Et pareil, je vais enlever le Rude Cosmétique et le Focalure. Voilà, parce que je ne les utilise pas du tout. Alors, dans les rouges à lèvres plus bas, vous n'allez pas bien voir, mais là, normalement, c'est ceux que j'utilise le plus. Donc, logiquement, j'enlève rien. Là, c'est ça, je garde les photolures, je garde mes crayons à lèvres, je garde, et mes fossiles, je garde. Ok, donc il ne nous reste plus que les tiroirs. Et du coup, je vais en profiter pour m'asseoir. Donc, je vous ai posé, enfin, mis comme ça. Et moi, je me pose le cul sur mon fauteuil. Alors, pareil, j'ai enlevé celui-ci que j'ai pas utilisé. Je l'ai juste swatché. C'est un métallique, mais un peu trop clair pour moi, à paillettes. Il est très beau, hein, mais voilà. Moi, je l'utilise absolument pas. Celui-ci aussi, je vais l'enlever. C'est aussi... Vous êtes où ? Ici. Aussi un métallique que j'utilise pas. Pareil pour le sieté ici. Donc, je fais un lot avec le fard pailleté et le mini truc là. Je regarderai s'ils sont encore potables. Ça, pour l'instant, je garde. Ça, je garde. Ça, je garde. Je les ai triés il n'y a pas longtemps. Donc, pour l'instant, je garde. Les deux à voilà, il faudrait vraiment que je me décide à les tester. Les pourquoi pas. Alors, tiroir du dessous, est-ce que vous voyez toujours? Ouais. Alors, pareil, je vais enlever. Celui-ci, j'ai un fard aussi, un fard liquide, pailleté. Ça, j'enlève. C'est de unique. J'avais eu dans le calendrier de la vente chez Lilimus, mais je ne les utilise pas. Donc, c'est un peu con-con. Celui-ci, je vais enfin me décider à l'enlever quand même, parce que je ne l'utilise absolument plus non plus de chez ELF. Pareil pour les deux... pigments rocoresques, je les ai utilisés une fois depuis que je les ai, regardez, ils sont pleins. Donc ça, on vire. Je gagne un peu de la place ici. Hein. Mes paillettes Anastasia et Nyx, je garde. Ça, c'est les que j'ai eu dans le calendrier de l'avant. Pour l'instant, je garde. Ouais, mes paillettes là, ici, je garde. Mon petit fard Urban Decay Mono, c'est le seul que j'aime. Les pigments ELF, oh, je vais les virer, ils sont quasi, je les ai jamais utilisés, j'en ai plein, je fais un lot, 4, il y en a 10, vous voyez quoi, je ferai un lot avec les 10 parce que ça sert à rien que je garde pour garder. Pareil pour les fards. Je vire, mais ça je vais les jeter. Hein. Je vais pas les revendre parce que ils sont beaucoup, beaucoup trop vieux. Voilà. À moins que Laura veuille les récupérer, je lui mettrai qu'elle verra ce qu'elle veut en faire. Mais j'en ai beaucoup trop et alors que je les utilise pas, hop, on fait de la place. Voilà. Et comme ça, après, je pourrais éparpiller mes paillettes. Mais ça, je changerai un autre jour. Alors, pour le teint, est-ce que vous voyez toujours? Ça a l'air, ça a l'air, ça a l'air. Bon, attendez, j'essaie de vous bouger un petit peu. Non, il ne veut pas. Il veut pas. Bon, je suis désolée sur la vue sur les lingettes, hein, mais je fais ce que je peux, hein, les gens. Voilà, alors j'allais re-ranger un peu, si vous avez vu mon dernier rangement, quand je réorganise mes tiroirs et tout ça, je ne sais plus, je vous le mets en barre d'infos. Alors, je vais déjà enlever la bébé crème de chez Colourpop, que je n'utilise pas. Je l'ai utilisé 3-4 fois, je crois. Il reste tout ça dedans, au moins. Donc, je la mettrai, mais pas très cher. La palette ici, ça vient encore de chez... Elle sait hein, que je vais enlever des choses, hein, vous inquiétez pas. La palette d'highlighter de chez Primark. Mais celle-là, je vais pas la vendre. Je vais la donner à Laura aussi. Les autres highlighters là je garde, mes blushs je garde et mes bronzers je garde parce que là il reste plus un peu que mes préférés. Ouais, donc là je garde tout. Ok. Et enfin les paillettes, les strass et les fossiles, donc là j'enlève rien. Je vais trier vite fait encore un peu mes produits ongles et puis je vous montre ce que j'aurai enlevé parce que je ne peux pas vous prendre de l'autre côté, sinon il n'y aura pas de lumière.
Voilà, donc dans les ongles, j'ai enlevé le NDED parce qu'il est un peu foutu, donc celui-là, je vais le jeter. J'ai un ongle 24 comme ça que j'ai jamais utilisé. J'ai juste fait le swatch. Là, je fais un loup avec les trois là, c'est des paillettes. Non, les quatre là, je veux dire. Voilà, c'est des paillettes, c'est l'AliExpress. Et ça, ça vient de chez Model Ones. C'est du solide. Et franchement, ils sont super agréables à mettre. Comment est-ce qu'ils s'appellent? Ouais, Solid Painting. Ils sont super agréables à mettre. Vous avez un pêche, un lila et un rose pailleté. Voilà, donc ça, ça ira en plus sur Vinted. NDVD, ça va à la poubelle. Donc, il y a tout ça que je dois remettre en vente. Et ça, c'est ce que je vais donner. Voilà. Ah, non, il y a encore celui-ci qui ira en vente aussi. Qui est très beau aussi. Voilà. Eh bien, écoutez, on n'a pas chômé. Je suis contente. J'espère que ce petit décloteur vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à me laisser un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, moi je vous dis bisous bisous.